Et bien bonjour à tous, amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Clash of Clans, les amis. Aujourd'hui, on va débloquer une nouvelle troupe. La nouvelle troupe que je vous ai présentée dans une dernière vidéo, je l'avais pas encore sur mon compte, on va la débloquer aujourd'hui. On va se mettre un petit peu dans l'ambiance. Ah, c'est quand même mieux. Du coup, les amis, aujourd'hui, on se retrouve du coup sur le jeu. Nous allons aujourd'hui débloquer les golems de glace. On va les tester du coup également en vidéo. Ils sont juste ici pour voir que je les ai pas encore. Golems de glace au niveau 1, on va les débloquer aujourd'hui, les amis. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous montrer, eh bien, le petit sapin, les amis, qui est juste ici sur mon village, qui a spawn le nouveau sapin de Noël de 2018. Du coup, on peut voir que sur mon village, je vous le montre tous les ans, mais on peut voir du coup que j'ai tous les autres sapins et ça, ça régale, les amis. Donc, aujourd'hui, nous allons attaquer avec les golems de glace. Mais juste avant, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer une de nos casas. On peut voir que ça coûte 8 millions. Bizarrement, j'ai 8 millions. Tout va bien, les amis, une belle coïncidence. Du coup, hop là, on up les golems de glace. Et deuxième coïncidence, j'avais un book pour terminer l'amélioration. Du coup, les amis, on débloque les golems de glace. 3, 2, 1, c'est parti. Les voilà, les golems de glace qui sont ici. Du coup, ce que je vais faire, c'est que juste vider mes camps et on va faire une attaque juste après. Ce que je vais faire, c'est que je vais adapter ma compo. Je vais enlever par exemple quelques El Primo ici pour mettre des golems de glace à la place. Donc on va en mettre combien? On va en mettre 4. Allez, c'est parti, on part sur 4 golems de glace. On peut acheter du coup un El Primo, nickel. Du coup, on est sur une compo El Primo golem de glace, les amis. Compo complètement inédite, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'y crois pas trop, clairement. Je pense que cette compo, c'est pas la compo de l'année, loin de là. Pourquoi pas attaquer ce village là? Comme ça, la vidéo est pas trop longue. Donc attendez, on va faire comment? On va faire comme ça, on va faire deux groupes de golems de glace ici et ici. On va mettre le roi, la reine, le warden. On va mettre les sapeurs ici. On va mettre ça pour clean. On va mettre les El Primo juste derrière. Et on va faire comme ça et comme ça. Ok, on va voir un petit peu ce que ça donne. Pourquoi il y a une sorte de freeze là-bas? Ah oui, parce que les golems de glace, quand ils meurent, ils freeze les défenses et c'est hyper hyper fort. On va geler ça là-haut parce qu'il y a beaucoup de trucs qui tapent. Ok, on est pas mal pour le moment. Après l'attaque en HDV 11, alors que je suis HDV 12, j'avoue, j'ai fait petit joueur un petit peu. Mais bon, on va voir du coup ce que ça donne. Let's go. On va activer la kappa du roi. J'ai mon warden qui a encore sa kappa. Est-ce qu'on va l'utiliser bientôt? Ouais, j'ai mis le primo là-haut qui prennent cher. Du coup, on va utiliser la kappa warden. Malheureusement, les golems de glace qui sont déjà morts, c'est un peu con, mais bon, ils ont été assez utiles. Ah non, il en reste un ici, les golems de glace, comme on peut voir. Ma reine qui récupère l'élixir noir, c'est très très bien ça. La reine continue. En vrai, le fait que les golems de glace ça soit un sort de freeze gratuit, c'est hyper fort. Vraiment, parce que le sort de freeze, c'est un sort qui est quand même assez fort. Et là, en plus, du coup, on n'a plus à en mettre dans la compo, puisqu'on a des golems de glace, donc c'est vraiment pas mal. Va falloir bien un petit peu jauger où est-ce qu'on met nos golems de glace, parce qu'il va falloir voir en fait où est-ce qu'ils vont péter, etc. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. On est sur du 59%. Ça va continuer un petit peu à monter grâce au El Primo ici. Peut-être un petit 61. Voilà, est-ce qu'on va péter l'Eagle? J'y crois pas trop. Quoique peut-être, on va péter l'Eagle. On est donc à 62-64%. J'ai un petit sorcier là-haut qui gratte aussi. Ça va faire du 65, ouais. 66, ça va être trop compliqué là-haut parce qu'il y a les TDS qui tapent, dommage. Mais bon, une attaque quand même pas dégueu, ça passe pour une première attaque avec les golems de glace, les amis. On va du coup terminer la bataille. 66%, 2 étoiles, moi ça me suffit. On va faire du coup une deuxième attaque, les amis. Et ensuite une troisième, les gars, on se chauffe, on fait 3 attaques. On va garder la même combo parce que j'aimais bien cette combo. Donc on fait comme ça, comme ça. Alors oui les gars, je j'aime en vidéo, simplement pour que les vidéos soient plus rapides. Donc let's go, on enchaîne les amis, pas de coupure dans cette vidéo, on est des fous. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On va pas attaquer cette base là quand même. N'hésitez pas à me dire si vous préférez les vidéos comme ça, sans coupure, qu'on fait vite fait. Tout simplement, comme ça vous pouvez voir un petit peu au naturel, on peut discuter un petit peu de vous à moi sur Clash of Clans du coup. Wow, il y a un village abandonné mais qui est complètement nul, du coup on va pas l'attaquer. Super, j'aimerais bien tomber un petit HDV 12 quand même, pas trop up parce que moi je suis pas trop up non plus. Lui par exemple il est trop up pour moi, vous voyez, mais celui-ci il va être compliqué. Mais c'est faisable parce qu'il y a une T2 là-haut qui est en up. On va le tenter, ça va être compliqué les amis. Un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Donc attendez, on va le mettre comme ça, notre freeze, enfin notre jump, pardon. Tac, 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 tac. Alors désolé les gars si mes attaques sont pas ouf, clairement. Comme vous le savez, j'ai perdu complètement l'habitude vu que j'avais arrêté pendant un petit moment. Là j'essaye de m'y remettre petit à petit, j'essaye de m'entraîner, voir les compos un petit peu qui se font en ce moment. Ok,
Tac, les El Primo d'ailleurs qui sont très 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 forts, je teste un petit peu en ce moment. Il y a de très bonnes choses à faire, pourquoi pas une vidéo prochainement sur une composition d'attaque avec les El Primo. Parce que franchement c'est pas mal, laissez pas me dire aussi les vidéos que vous aimeriez voir vous en ce moment sur la chaîne. Parce que moi je vous avoue que j'ai pas beaucoup beaucoup d'idées par rapport à Clash. J'ai quelques trucs, des nouveautés etc. Pourquoi pas des vidéos sur les, comment ça s'appelle, les nouvelles maps etc. Les maps gobelins que j'avais pas faites quand elles sont sorties. Pourquoi pas avoir, mais là notre attaque elle se passe pas du tout bien. Parce qu'il y a ces putains de golems ici qui rentrent pas. Regardez, ils sont encore en train de taper des murs, donc ça va durer 15 ans. On a nos primo ici qui sont rentrés au milieu de la base, ça c'est cool, c'est le seul point positif de cette attaque, parce que là vraiment pour le moment c'est n'importe quoi, j'ai aucune troupe qui va vers l'HDV, j'ai tout qui a tourné, cette attaque c'est un carnage les amis, c'est n'importe quoi, c'est un carnage mais pas dans le bon sens du terme, parce que j'ai toutes mes troupes qui sont tuées à la place de, du village adverse. Est-ce que le roi là-haut, il va... ah, le roi normalement devrait arriver à récupérer l'HDV, et ça me régale, le roi qui fait pas n'importe quoi, ça c'est cool. Donc là qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'augmenter un petit peu le pourcentage, en vrai le pourcentage va être pas trop dégueu, mais ça me fait chier quand même, c'est dommage. Parce que franchement mes troupes elles ont tourné de partout et tout, c'était un peu n'importe quoi. Je pense que c'est moi qui ai complètement foiré le déploiement. J'aurais dû mettre des sapeurs en fait, de sorte à ce que le golem et golem de glace ils pètent pas le mur, parce que regardez là ils sont encore là à péter le mur, ils servent à rien. Mon golem de glace il a pris zéro dégâts, il a rien tanké, et le roi qui a pas réussi à prendre l'HDV, et du coup c'est un fail. Ah je suis dégoûté, je comprends pas comment, c'est quoi qui tapait le roi, j'ai pas vu. Ah je suis trop deg. Yes, super, vraiment une méga attaque de la mort, je suis vraiment dégoûté. On va tenter un truc les amis, je sais pas du tout ce que ça va donner cette combo, mais j'ai envie de tenter un truc comme ça. 8 golems de glace, 20 valkyries, on va voir, peut-être que ça va être beaucoup trop fort. Hop là c'est bon, on s'est remis bien, j'aime pouvoir regémer les troupes du coup, bam, bam. En vrai ça revient cher à gérer quand même ces troupes là. On va faire quoi après comme compo? Alors là on va mettre 2 sorts de saut pour être sûr que mes troupes elles rentrent. Et après, en vrai en fait je pense que je vais un peu modifier ma compo. Du coup j'ai gémé un petit peu pour rien. Mais on va faire 6 comme ça. Et on va mettre des sapeurs à la place. On va mettre masse, peut-être pas 8, ça fait beaucoup. Donc attendez, on va refaire comme ça. Ah purée, je m'embrouille dans ma compo. On va faire comme ça, tac tac. Tac, au pire on met 3 sapeurs en plus. C'est parti, ok let's go. On va faire comme ça après, comme ça. Ok, on est bon, let's go, on va pouvoir attaquer avec cette compo, on va voir ce que ça donne. Je garantis rien, clairement je vous le dis les gars, je promets rien sur ça, c'est un petit test qu'on va faire ensemble. Une compo full Valkyrie et full Golem de glace. A voir, à tester les amis. Du coup, on va essayer de tomber sur une base pas trop dégueu quand même. Ça me semble pas mal ça les amis, on va le tenter comment celui-là? Peut-être par le bas, comme ça on arrive direct vers l'eagle. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué cette attaque, mais on peut le tenter. On va faire comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Tac, 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 tac. Ok. On va faire 2 groupes de Valkyries. Hop, hop, et hop. Les Valkyries qui tournent, c'est n'importe quoi. J'ai aucune troupe qui est rentrée. Mais what, les sapeurs ils servent vraiment à rien. Je sais pas les poser je pense. Hop. Là, on bloque l'eagle et on bloque la T2 ici. Elle aurait fait trop mal sinon. Allez les troupes là, faut aller vers le milieu. Si les Valkyries rentrent au milieu, ça va faire très 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 mal. Mais il faut qu'elles rentrent au milieu les amis, on y croit. On a les héros qui sont sur le côté, qui font le taf. Je pense qu'on va bientôt utiliser le Warden ici. Le Warden qui a failli mourir. Les Valkyries qui sont au milieu. Et là les amis, ça va être carnage normalement. Si les Valkyries elles arrivent à taper l'HDV, ça serait très très beau. On a la reine ici qui a encore pas mal de vie. Je vais mettre un petit sort de soin ici. L'HDV qui fait très très mal à mes Valkyries. Mais ça se passe, ça va. Et les golems de glace qui n'ont servi absolument à rien en fait, ils ont été beaucoup trop lents. Mais sinon ça va, on est déjà à 47%. J'ai mon roi qui est complètement full life. J'ai encore mes deux héros. J'ai le Warden et la... bon j'ai plus la reine. Je vais dire j'ai la reine mais j'ai plus la reine. On est à 49, est-ce que ça va faire le 50% ou pas les amis? La question que tout le monde se pose, ça va être ici. Et non malheureusement 49%, une étoile, je suis déçu les amis. J'aurais fait qu'un seul 2 étoiles dans cette vidéo. Comme vous pouvez voir, faut vraiment encore une fois que je m'habitue aux nouvelles troupes. Et surtout faut savoir que les golems de glace sont que de niveau 1. Donc je pense qu'ils seront beaucoup plus intéressants par la suite quand je les aurai améliorés. Et aussi les gars, ça se voit vraiment que j'ai perdu l'habitude du jeu. Mais ça, vous inquiétez pas, je vais m'y remettre. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Petite vidéo normalement demain, donc restez à l'affût. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve également en live toute la semaine. Du lundi au vendredi, du dimanche au jeudi, pardon. Je me trompe dans mes horaires, bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt, ciao les amis, à plus. Bye bye.